y en a des petits conseils qui ont levé avant break. Et c'est tous des membres qui papaient interact souvent. Moi, pour donner aux autres la parole, après novembre, mouvon. OK, ça c'est Honorable Sparon avec Honorable Valmont. Honorable Valmont encore intéressé pour ça. Après, nous pour retourner le 258 et le 259, nous avons fini. Honorable André, encore dans un conseil là. Oui, mon intro. Sorry, mon troisième membre aussi, Honorable Loiseau, si tu avais gagné, pose une question. On nous fait un lien assez bref, qui n'a pas tous les trois ensemble. Après, panel, il va répondre. Et après, le 258, 259, on a Honorable André avec Honorable Basile Waro. Après, on a besoin de bouger un petit peu. Moi aussi, au courant qui membre public de haut, par exemple, plus intéressé, plus concerné avec. Avec une bonne provision de Civil Code. Juste, je vais faire sortir pour dire Civil Code, papier à le faire, second reading, papier à l'entrée de débat, l'Assemblée, papier à l'entrée de débat, le Civil Code. Jusqu'à l'heure, mon membre, l'Assemblée, il satisfait, nous donne une position pour nous capables de tacler. Voilà leur décision sur même membre public dehors qu'on en concerne. Ce n'a pas rien pour tracasser, pour dire l'Assemblée, puis elle rentre vite dans ça et puis elle passe sa bonne la loi. OK? Voilà un petit peu la situation. Honorable Spahn. Merci, M. Speaker. Mon petit, je vais faire un petit point. Le temps, et d'une cause, les bonnes affaires héritiers. Mon petit, je vais faire les points qui. Il y en a, ça, il y en a, ça fait longtemps qu'il y a des bon parents qui mettent une propriété, héritiers, en héritier, avec comme si comme une restriction. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a couille qui a cassé? Laisse dire, mon hérité propriété. Présent, il y en a certaines restrictions qui mettent la propriété, qui n'ont pas gagné droit ni vendre, ni transfert, mais il y a des affaires héritiers, en héritier, tu appelles ça. Présent, mon papa gagné droit. Je n'ai pas le droit de vendre sa propriété ou mon besoin. Moi, après mon mort, sa propriété vient pour mon enfant. Et mon enfant, après son mort, il va passer sa propriété avec mon petit-enfant. Comme si est-ce qu'il y a quelque chose qui a couille, qui a cassé ça. Et le temps nous peut causer le bon droit là. Est-ce que si mon hérité propriété qui est dans les héritiers, en héritier, est-ce que si mon marié, mon monsieur est capable de gagner sa propriété ou bien à cause de sa restriction, il n'est pas capable de gagner. Ça est le premier point. Deuxième point, ça a fait papa, pas maintenant, papa, le certificat de naissance là. Maman, quoi, ça, si nous mettons dans la loi, il faut une question qui pour aider une quantité de famille. Parce que quelquefois, maman a un enfant qui peut le marier avec un enfant, monsieur Afif, mais seulement, il y en a même. Ou bien les enfants, Madame Lemiel, mais seulement, nous ne connaissons pas. Maman ne connaît pas mes enfants. Man. Madame Lemiel, lui, il ne connaît pas. Comme si il ne connaît pas papa, ses enfants. Je crois que si nous permettons ça de la loi, que sa papa, il est obligatoire qu'il mette nos enfants le certificat de naissance, il peut éviter quantité de problèmes qui arrivent. Si tu comptes les enfants, quand même, avec les enfants. OK, merci. Merci, Honorable Sparrow. Bon. Mon croix sont deux points assez substantiels. Je vais laisser Edu répondre. Après, je vais passer la parole avec Honorable Valmont et Honorable Loiseau. Edu. Bon, le premier point, il s'agit de la loi, on appelle substitution. Mais seulement, on est capable de faire li, mais seulement avec seulement une génération, pour le moment. Mais nous tirons dans sa proposition code civil là. À cause, peut-être, à cause un parent est capable de donner son propriété sans enfant et il dit que son enfant a une restriction, il dit lui, ou pour jouir sa propriété pendant ou la vie et ou pour passer lui à aux enfants, né ou bien qui pour gagner, qui pour né. Mais il n'est pas pour capable de dire en héritier et en héritier. La loi pas permet tout. À cause de la loi pas permet tout en mal en main. Ou petits-enfants, pour lui pas qu'à disposer sa propriété.
OK. So, mais par contre, dans sa proposition, nous tirons, il y a l'article 1048, nous tirons ça. OK. À cause ça, c'est qui à cause un transfert de propriété, pas qu'à vendre un dimoun ou bien donner un dimoun un propriété et dans ça la vente ou restricter son pouvoir disposition. Unless qui sa condition, sa restriction, il pas il serait illégitime. OK? Peut-être ben dimoun qui pourtant moi là tantôt aujourd'hui, je peux dire à cause gouvernement il fait ça. Il est important peut-être moi clarifier pour dire gouvernement là il vend la terre avec un individu il pas empêcher individu vendre sa la terre mais c'est moi il dit que ça individu en condition il dit si on envie vendre sa la terre pendant 5 ans 7 ans 15 ans ou besoin premièrement offrir moi sa la terre ça qui n'appelle un droit de préemption ou besoin offrir moi sa la terre then moi va acheter ça la terre avec vous à sa prix qui moi mon vend nous. OK? Il y en a aussi dans la loi on appelle ça un pack un right to repurchase. Ou capable faire, il longtemps beaucoup dit mon petit faire. Oui, oui. Yes. Quand tu capable faire une condition pour acheter ça la terre back within a certain période de temps. Le côté si un propriété par exemple quand tu dis si mon comprend ou bien un propriété que tout parent il donne nous et si on marié et sa propriété pour vin ou mari ou bien ou conjoint d'aka il capable gagner par là-dedans ça coupe ça dit moi non oui. Bon en bas sa proposition non à cause pas pour les qui sa propriété vin propriété qu'on a acquéri par succession et normalement en principe propriété qu'on a acquéri par succession il pas al dans ou bien matrimonial. OK? Et dans le code, dans sa proposition, ça il est taken care of. Mais par contre, il y en a un concept dans la loi aujourd'hui qui appelle matrimonial home. Où on capable de gagner une propriété par succession, mais là, sa propriété, on construit la case de la famille. Et sa conjoint, il contribue activement ou passivement pour construire sa la case de la famille. Cela, en bas nous la loi actuelle, la cour y en a tout sa pouvoir pour lui faire pour lui prendre une décision, le qui sort la case matrimoniale. Et là, la cour pour prendre une décision, par exemple, s'il y a des enfants en jeu, quelqu'un a la garde des enfants, etc., etc., pour lui prendre une décision. Cela, la cour y en a white powers, là. Mais ça, la terre, lui-même, lui, capable, est la terre qui est héritée, ou bien la case qui est héritée. Mais la cour, en bas, matrimonial causes act, il y en a un pouvoir pour lui deal avec la maison conjugale. Le point deuxième point. Troisième. Deuxième. Point. Point. Oui. Bon, au troisième point, nous tous nous apprécions ça, mais il y en a une raison, un problème pratique. Mon comprend, on peut essayer de faire tout, nous en vie, la loi, il prend bonne disposition nécessaire pour capable faire si que tous enfants nécessaires, il y en a un papa. Mais ça mesique ça casse beaucoup famille. Pour moi d'en créer non, mon business c'est quand même un issue pour autres give some thought à cause qui arrive oui, ou pour aller ou pour sa maman, il peut aller pour dire avec les officiers de l'état civil oui. Honorable en deux, il papa mon petit, il est capable de marier. Et là, son madame, il tendait pour dire, il papa, son famille cassée, son enfant, il dit, il a dénié une famille stable. Mais en même temps, il est capable qu'il y ait une fausse déclaration. Voilà. À cause de l'impossibilité d'une fausse déclaration est très très haut. So this is why la loi dit qu'il faut dire sa papa, biologique, il vient devant les officiers de l'état civil et il confirme. Mais par contre, nous pas empêche, il pas empêché qu'il la cour, il statue là. Ça veut dire sa maman, ou bien l'obéhave ses enfants, ou bien ses enfants, à n'importe quel moment, il est capable d'aller à l'encours, elle prouve son paternité.
à cause de nos devant la cause. Et madame, il paye 7 démons qui n'ont pas pour dit papa petit, mais pour les animaux, et gagne 7 fois l'animaux. Mais la cour, vous avez décidé lesquels vraiment qui oui. Papa petit, non, pour support, ça qui est du petit. Il y en a un avant d'affaires comme ça oui. Dans nos sociétés, quand tout a pissé là. Oui. Mais par contre, sa maman, pas capable de dire petit pas pour lui, à cause de lui qui n'est pas capable de garantir. Merci. Merci. Je crois point que honorable comment moi levé bien à cause pas de break aussi parce que avec un membre parfois enfin pas tout qui pareil parfois ou quand un madame qui pendant la journée il y en a 5 relations et lui même lui qui fait pas connaît si par hasard il tombe enceinte il pas connaît à cause de la façon est présent est-ce que la loi il permet qu'il ait à déclarer ses enfants. Disons, son relation pendant sa journée, il y avait Pierre, Paul, Jacques, Jean et Daniel, il y avait Mr. Speaker. Pas au nom de Badri, Mr. Speaker. L'année prochaine, ses enfants sont nés. Pierre, Paul, Jacques, Jean, ils n'ont pas rien. Monsieur Speaker, il y a quelque chose. Qui, l'eau qui parle déclarer. Si nous pouvons donner ça droit, l'eau qui parle mettre le bon certificat. OK? So, voilà un petit peu mon quoi ça concerne. Que si nous pouvons donner, enfin, ça, il m'a pensé, si nous pouvons donner ça free, ça pour sa madame, lui décider, pour lui mettre non à papa, voilà bonne l'implication qui est capable d'arriver. M'avant, passe la parole avec Honorable Laoui. Mais c'est moi, on essaye. Restez bref, à qu'on a envie, non, vie bouger. On a parlé, oui. Merci, Monsieur Chair. Le temps pour continuer, côté Attorney General, il fini. Il dit qu'il y a quelque chose qui est capable d'arriver et qui nous casse beaucoup de mariages. Beaucoup de familles, amène problème dans la situation. Moi quoi ça il pas problème ses enfants et tes enfants innés moi quoi nous pas à cause de protection immature adult man or woman pour nous dire un enfant qui lit il vulnérable qui lit adulte il a plus droit qui ses enfants à cause lit capable décider lui si ça c'est un problème dans son relation so I really do not think qu'il ça une raison appropriée to be used in any form après l'état nous dit comme ça qui est madame. Nous généraliser là, quand c'est un service, l'exemple que madame est capable de faire sexe avec plusieurs hommes, il est enceinte, vous n'avez pas connu que le papa. Just because une femme carry sa petite, l'évidence sa sexe et est enceinte, nous ne pouvons pas discriminer et servir ni sa l'argument, parce qu'un homme qui a sexe 10 fois, 10 femmes, dans une journée, we don't know. So, je ne suis pas quite fair. Qui pour dire mon action comme une madame, be it si maman vit vivement la vie, que mon père have sex 10 fois dans une journée, and as a result of that, moi enceinte, pour dire qu'il I can't identify lequel papa ses enfants, à cause de lui, un homme, il n'a pas gagné servi, même discrimination contre lui. Il a fait même action, mais nous pas pour connaître. So I don't think that also, il y a un l'argument. So, moi, je ne pas croire que l'effet qui dans la loi aujourd'hui, il y a un remède. Ou capable de la family tribunal, pour dire sa papa happy ou amen it takes years pour un quelque chose qui aujourd'hui nous en a un instrument qui ca facilite résultat DNA test aujourd'hui la cour il servit DNA pour envoyer du monde prison pour la vie and yet nous pas parer because il y a société qui hommes qui décide nous pas parer pour servir sa option pour nous remedy most issues, mon comprends pas odd ones, but most of it can be sorted and nipped in the bud in the very beginning. So, nous pouvons moderniser le civil code, en nous servir une solution moderne pour nous capable d'une solution. Et mon croyant te quoi, oui, ben ça va nous faire pas connaître lequel mon papa, après mon père hérité, and what not, take that all away aussi. Merci. Merci, honorable, oui. Moi, tu n'as pas une mauvaise intention, mon père, tu peux discriminer. Mon quartier là, nous faire entrer ça, his or her, ok, mais mon parti n'a pas l'intention pour moi discriminer. Bon, mon comprend concerne honorable Larry dans le sens qui pétait tout les qui les ses enfants est né, it's as if mon allé m'a dit sa maman il dit tel dit monde qui monsieur X qui
par papa ses enfants. Et là, monsieur X, il préparait volontairement pour lui venir déclarer ses enfants. Nous avons gaz un procès administratif, si mon cas met lui, quand il fait un DNA test. Non, à cause de tout quelque chose, vous avez consentement. Il importe. Consentement est le bedrock of nous l'institution. Nous avons le droit constitutionnel de l'individu. Si par exemple, pour moi, quand il fouille, par exemple, ou, quand c'est les autres quelque chose, ou besoin de mon consentement. Si vous avez besoin de mon consentement pour être capable pour déclarer un enfant. Par contre, si mon enfant est dans mariage, par mon mariage, automatiquement, il m'a fini d'un consentement. Parce que. Mais DNA lui-même, il y a un moyen. Il pas dans nous la loi existe dans le civil code aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous pouvons proposer ça. En tout cas, servi all means necessary pour être capable de prouver paternité des enfants. Mais même si pas dans nos codes as such, la cour servit ça très souvent. Okay? Très souvent, quand il y a une situation, la cour ils ont une bonne partie. Nous sommes capables sort this out. Nous capables simplement à faire un DNA test et s'il prouve pour dire ça papa, ça zombie papa ses enfants. OK. Mais nous la loi il cause un petit peu plus à cause il cause parfois un rapport avec ses enfants, avec sa famille. Voilà. Let's say par exemple mon enfant, mon tinal, I don't know, let's say mon pas voyage beaucoup. Let's say membre l'Assemblée nationale in al Kigali et là-bas Kigali une jeune madame et une relation intime et un enfant est né et il retourne chez celle et 15 ans après 20 ans après un enfant il descend chez celle en avion il dit vous connaissez mon maman il dit moi ou mon papa mon Vincent mon oh il vient sa famille dit mon Vincent mon bien. OK, mais par contre nous la loi il y a un petit peu plus loin il dit comme ça par exemple pour des zombies capable donner un start in life, sa famille, reconnaître comment partie la famille, ben quelque chose comme ça. Nous besoin voir un cas extrême aussi. Ouais, et pareil, tout le temps, Simon dit, ça, il fait mon imagine tout le temps sa situation, mon quoi, comment tu causes là, quand elle est en France, tu peux faire ça. Tout le monde dit, oui, bien. À cause des enfants, il y a une victime. Mais laisse sa pauvre madame, ouais, pas pauvre madame, laisse sa madame, par exemple, ses enfants, ils n'ont sur la porte, ils disent, vous connaissez moi dans la moitié ou la case familiale, moi dans un cas ou la case familiale, et sa madame, ils disent, non, il est impossible. Ouais, à cause, il n'a pas un rapport, vraiment, avec ses enfants. Okay? Et il est capable d'y arriver beaucoup dans une situation, contre ses enfants. Ils ont des familles à cause des capables qui dans relation entre son maman avec sa zone il traite lui comme un enfant, sa zone marie son maman au conjoint au partenaire son maman il traite lui comme un enfant, il donne un start in life, il paye son éducation par exemple et après il vient contre famille son papa biologique. Et il vient de demander. On va pas codant ça, moi, mais c'est mon petit service ça pour moi qu'à montrer ou pour dire. Peut-être il prend un peu de rastique pour nous forcer un mché. Au moment qu'un enfant est né, l'eau simplement statement de madame devant les officiers de l'état civil pour dire mché X qui mon papa. Et administrativement, nous force ça du monde pour lui faire certains tests DNA. Mais par contre, par exemple, ça mécanisme là de la loi. Il est capable d'aller en cours et faire son recherche paternité. Merci. Et Jim, on passe la parole avec Honorable Valmont. Merci, M. Bon après-midi à tous. Mon nom est Cécina, je vais vous mettre devant moi, je vais vous une petite clarification. Là. Let's see, un homme, il y a une propriété, hein? Il marie avec ses lois, il fait 7 ans ou plus, il y a des enfants. En même temps, il y a un ménage avec un étranger, aussi en 7 ans, mais il n'a pas d'enfant. Hein? Sa zone, sa propriété qui en a, il existe sur son nom seulement. Alors,
les qui l'ont basé à code qu'on doit avoir comme propriété après la mort de sa zone. Et deuxième, est-ce que ça madame étranger après qu'il quitte son famille, qu'il quitte tout dehors, il met son trust, son amour dans sa zone, est-ce qu'il est capable de faire aucun réclame de la propriété? Merci. Follow up, George. Alors, si il y a un monsieur qui a son madame mariée, je vais faire la case, je vais faire la et en même temps, il y a une relation avec une autre madame. Oh non, un petit moment. Si tu regardes ma question. Ok? Yes. Allez. Et en même temps, il y a une relation avec une autre madame. C'est si ça, hein, qui veut rester avec, qui veut gagner sa parole à l'autre. Mais si en même temps, il fait un deuxième lacage avec sa loi. Si en même temps, il fait un deuxième lacage avec sa loi. Ça, c'est Mike. Ça, c'est Mike. Merci. Si en même temps, il fait un deuxième lacage avec sa lotte. Sa lotte, après 7 ans, pour gagner son part dans sa deuxième lacage, c'est ça son patrimoine. Ouais. Non, pas dans sa une première. Il patrimoine différent. Ou pas qu'à entrer dans le patrimoine d'un autre. À cause, c'est ça la base. La base, c'est sa patrimoine qui on fait ensemble pendant sa période. OK. Honorable Oiseau. Allez, causez la regardez. Sa garçon lui, il pas accepté si sa petite, si le papa a petit. Alors, Vicky, moi, elle exemple, mon ami sa fille, donc sa fille pour lui papa a pris son petit, par exemple, on est dans le pays, il va expédier le gars de l'autre, qui lit si on n'a pas non, papa a pris son petit. Vicky, lui, en plus, son enfant baptisé, alors, c'est lui qui nous dit, mon oreille a béni, à ton papa possible. Proxy. Et mon nom de métier, proxy même. Papa. Et pendant avant 8 ans, moi, papa, mon ami, mon oreille, mon mari, mon amour, mon pauvre madame, mon enfant. Et à présent, ça a des enfants qui m'ont mon asile, mon papa, qui m'ont mon asile. Ça contrôle dans sa foule, dans mon pétrissement, mon Dieu. Mon mari, mon mari. Peut-être que nous allons avoir un état à répondre ça pour moi, comment tu peux poser. Vous ne voulez pas? On aura boire où les pans? Yes. Bon, right now, si ça. Dis-moi, ça dit, on irait qu'on est. Ça va pas répondre. Ça va nous discussion, bonne discussion. Là, on dit qu'on vous dit pas où papa, et mon père dit ça l'opportunité pour moi, inherit avec ça l'autre monde, il a poursuivi pour dommage. Et même il a poursuivi pour dommage, même pour dommage moral. Même si mon père dit non, il y a un certain matériel, so, il y en a un danger qui vient avec ça. Il y a une faute. Oui, exactement, il y a une faute d'une loi. Ok. Merci. Allez, on va aller. Moi qui l'honorable Loiseau peut se demander, il peut se demander si lui, il y en a plus bien présent, pas que ses enfants perdent l'opportunité pour lui gagner lui. Mais non, tout à fait, pour ça, il y a un petit peu de temps pour lui.
Oui, pour mes inherit code. D'accord, il y en a plus bien. Oui. Les avoués de paternité. Oui. OK, nous... Bon. Mon honorable Georges, il dit aller. Il paraît qu'il nous peut venir un coin légal. On gagne l'autre commentaire par un autre honorable qui dit nous finissons un coin légal. On ne pas laisse nous rentrer dans un coin légal, mais nous avons plusieurs articles devant nous qui nous besoin de passer là-dedans. Depuis le bon matin, nous avons 258 et 259. Peut-être on nous refocus, nous avons l'article, nous sommes capables de finir avec, qui tombe en propriété. Et nous sommes capables de bouger. Vous tenez Lola. Lola. Oui, ma va donne honorable Henri. Je connais un point Lola. Après, nous allons passer à honorable Henri. Honorable Mkala, on a aussi à venir après. OK. Honorable Henri. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, le 258. Et encore, nous sommes capables de créer le lobby anglais. Si tu as envie, professeur interact. Professeur, il comprend que créole, lui. Il comprend. Oui. Doucement, eh ouais, comment dit. OK, but just for the sake of the lady taking notes, with regards to 2581, I see at the end of it, it say the person may apply by petition in a summary way to a judge in chamber. Now, this is property orders. Are we saying that as of now, with regards to this, a petition with regards to property would be in chambers? Because as it is now, the judge may decide that I will hear this matter in chamber. I don't know whether chambers here means chamber, the judge's chamber, because it's in a summary way in chamber. So are we not causing some issue with regards to this? Then my other point is, as I said, I had issues with regards to 257. Regards to 257, I think it's a fit article to put may instead of shall. No, because you see, here it says because this was an issue that was discussed by Honorable Sofola as well, and previously by others. But the issue is, if we restrict totally the possibility of any adverse effect on the wrongdoer, that means we are encouraging wrongdoings, because the wrongdoer would know that the law prevents Mr. X from taking any action whatsoever against me. So, seriously, we need to consider, because I've got, during the break, I received a few phone calls that we, as a committee, we are encouraging polygamy in the Seychelles. And wait, but listen, you do this in the assembly, you do this here again? Wait, listen, my friend. So, they are... So they are saying this is their concerns, and they voice their concerns. So in the way we are doing things, instead of trying to put a line that if you cross the line, you get this, we are saying that even if you cross the line, it's okay with regards to this. So this is the concern of the people. My constituents, maybe not at Portlari. Thank you very much. Thank you, Honorable Andre. Can I introduce this proposal? Yes. Okay, Professor will address. On 257, one answer may be simply to delete it. And then if there is a true delete, you can use 1382. And that puts the thing back in the ordinary domain. But the more... critical question is, in terms of what the committee has done, is Article 258, and in principle, that is current Section 21
of the Status of Married Women Act. Okay. The Honourable Member is correct that there is a shift in paragraph one from judge to judge in chambers. There is another provision, I think subsection two or three, which says on application of the parties, the application may be heard in chambers. And it was the committee's view that that would be taken forward as the general principle. So there is a slight shift, but there is current provision for it to be heard by judge in chambers. So this, an order under 258 is an order as to ownership or possession rights. It's not an order as to distribution, which is covered by 259. The substantial shift here, as in 259, is that this possibility of determining property rights as between partners in a domestic relationship, it is suggested that extends also to en ménage. Okay, thank you, Professor. Honorable Wao, Basil Wao. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I have a few points to make regarding 259. Firstly, if I look at subsection 6 to 259, which defines what is a qualifying relationship, I believe we've addressed this morning, but I think we should be emphasis on the fact that I believe that regarding to homage relationship, merely to say it is characterized by stability and continuity, I believe that is true. We should be a bit more specific and bring certainty, otherwise we're leaving it too much to the judge's discretion. Regarding when one looks at the wording of 2591, I believe it. We have to live with it, but it seems that it will be easier for a common law spouse to claim, to borrow a term from the AG, which I believe the AG was yesterday, to cash in respect of the relationship, because he or she can easily put an end to a relationship. Whereas in a marriage, you have to go to court, and it is only the court dissolve a marriage that you can now claim. So that is something else we have to bear in mind. But I guess we have to live with that in bearing in mind the nature of a relationship. Honorable Onkala raised something this morning about consecutive relationship between a person who is married, and then upon terminating or separating from his wife, he then moves on to enter into a ménage relationship. But I want to address the issue of a concurrent relationship of somebody in wedlock, but at the same time having a common law relationship with another partner. What I believe is unfair here is that we're going to have a competing interest between the common law partner and the spouse, and that we should not have. I believe firmly that if a person is already married, we cannot recognize that common law relationship. Mm-hmm. Yeah. Otherwise, we allow it. I think we should go. And something else. We've talked about Article 1400, premarital contract or pre-relationship contract. Premarital contract, it can be varied, suspended, or discharged by the court under 254. What about premarital pre-relationship contract? There is no such provision for that. I believe we should also look into that.
If we do so for marriage, why don't we do it also for a common relationship? But the court can vary if there is a necessity. Anti-avoidance measures in a marriage, once an application, ancillary application has been filed, the person can apply for anti-avoidance measures in order to prevent the other party from disposing of the property. That right should also be included in respect of common relationship. But if the relationship has ended and the common law partner intends to bring a case to claim his or her share from the other partner, then he or she should be able to bring an anti-avoidance to make an anti-avoidance application to the court. Something else. We have to be careful with 2593. 2593. It's wide enough in the sense that a person can bring even in a common law relationship or marriage for that matter, even if it's not 7 years, the relationship has not lasted for 7 years, it's less, a person can come under 2593 and bring an application and claim property interest in the other. So we have to bear in mind, it's not only 7 years strictly. It means, yeah, exactly, in exceptional circumstances, but it is possible. It is possible for that to be done. So we have to bear that in mind when we are addressing 259, proposed 259. Something else. I believe regarding the consequence, how is the bill called? This consequential amendment. Yeah, consequential. Yeah. Consequence of enactment bill. We should also include in there the Immovable Property Transfer Restriction Act. Why? Because we know that a foreigner cannot acquire property. But there is an exception in respect of divorce, and it is divorce. But what about if in a common law relationship, the one of us partners is a foreigner. And granted a property. Exactly, granted property. Then if we're saying that there is an exception for in divorce cases under the Immovable Property Transfer Restriction Act, that exception should be equally applicable in respect of a common law spouse who is a foreigner. And in the case where he or she has been granted Section 3, property right, under 259. So we have to bear that Section in mind. By a court order. Yeah, by a court order, obviously. Similar to divorce. Yeah. But this also, we have also, anyway, this is something that they will take when they do the amendment to this. But as you know, government has a lot of control over property acquisition of property by foreigners. So it might be. For divorce, you might. Otherwise, there's no equal protection of the law. Mm. Yeah. Thank you. Okay, you want to comment on the point? Yeah, no, it's good. Okay, Honorable Henri. Thank you, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. I just want to make two comments before I ask a question. Earlier, we've been discussing about the name of the father on the birth certificate. So I was just browsing through. In Ireland, actually, they introduced a bill called Civil Registration Amendment Bill in 2014 that makes it compulsory to have the father's name on the birth certificate. Because they say they were accepting exceptional circumstances, but they say it goes in line with EU legislation to have access to details of their identity, the children. So at least one country now we know that has this this law. Now, just an observation with regards to what we've been discussing since this morning. I think for the people out there following this debate, especially the young people, we need to understand that the time that this code was written, back in the 1800s, it was not a gender-balanced world as it is today. This was written more in favor of men. Today's situation has changed. And especially for, I'm saying this because I'm a father of a 24-year-old daughter. People need to know that marriage now is just not about love. It's not just about a religious commandment, but it's also like a contract,
a transaction, a business between two persons because you acquire wealth, you make business together. So you need to take care of yourself. You need to know what you're getting into. Not a ménage is not the first option for you, but actually to get a serious partner who wants to marry you, and then legally you have more safeguard. And many countries, I've been reading Japan, India, Sweden. This is a topic that the media and ministries like family ministry talks about. They give statistics. They tell you what your legal protection is as opposed to if you're in an unmarried relationship. So our people out there need to know this because it's a personal protection almost. So I just want to say this. But with regards to 258, we're talking about possession of property, etc. Nowadays, it's not so common yet here, but you have the issue of publicity right. You have the issue of image right, copyright. Because I'm thinking of people like Raymond Le Bon who has passed, Stanley Beaufort. And they've died, but their heirs now are still alive and can claim something on their whatever they've produced in the past. So how does this court take care of this? I'm thinking of this because just this afternoon I saw a Raymond Le Bon song on SBC. So money is still being made on whatever he produced years back. So how does this take care of that? Thank you. Okay. Honorable Ram Kalawan. Mr. Speaker, Mr. Chairman, merci beaucoup. Ça bout là, mon propos en créole. À cause, mon quoi, qui peut dire, il y en a un peu l'hypocrisie de ça qui nous peut faire, spécialement en relation avec ses affaires, déclarant les enfants. Et je ne suis pas d'accord avec ça qui, Attorney General, il dit. Qui peut dire si on met non un papa loin résiste ça est capable d'affecter une relation mariage si ou pas envie ou relation mariage est cassé ou pas faire petit en dehors mariage ça est mon premier point donc nous ne pas capable d'accepter qui peut dire nous peut cause reconnaître un ménage mais seulement enfants les autres birth certificate il restait l'année pas fait petit homme qui fait petit OK alors moment quoi qui nous besoin d'une façon pour nous protéger les bons enfants honorable Henri il mentionne la loi par exemple Ilan moment quoi qui le nous pas cause en terme pour maman quoi qui nous pas cause en terme pour déclarer ses enfants comme si dans ça pour donner les scientifiques à papa pas cause de sa façon maman quoi qui nous peut ça qui mauvais gagner comprendre au moins pour qui il connaît lesquels sont papa si papa signe scientifique à papa ça est l'autre affaire mais seulement il connaît lesquels scientifiques sont papa. Et là, mon peu cause le niveau de l'église. I mean, mon comment est prête, pendant ça, tant de 3 ans, il y en a 4 fois qui dit mon une vie de pour baptiser un enfant, mais papa sa pitié dans l'année. Mais pour raison qui peut dire l'église y en a restriction, pareil qui dans la loi civile aussi, tout y en a restriction. Mon pas envie et l'église pas envie qui un frère y marié avec un sœur et nous connaît qui vous dit dans nos sociétés il en a frère avec sœur qui fait enfant et saisissent après qu'ils ont une connaît qui vous dit ça ti mon frère ou bien ça ti mon sœur et c'est pour ça raison qu'il est en ben dit mon une côte moi comment est prêt pour baptiser d'autres enfants ça l'année mon dit avec autres. Non. Faudrait qui mon connaît lequel papa et faudrait qui ça non à papa, il gagne rentrer le certificat le livre l'église, le registre l'église pour qu'il demain si il y a un mariage, mon connaît qui vous dit il pas un frère, il pas une sœur. So, mon croit qui nous besoin bouge dans la direction.
So, ça y est, il y a un point. Et peut-être ça aussi, tu y vas aider avec ces affaires, l'héritage. Mon autre question, c'est quand est-ce qu'un ménage y commence? Et au fait, moi, tu fais cause avec Archbishop French, Latalé, nous tu fais cause, nous ça c'est. Et à présent, moi, joking, je dis avec lui, mais mon coin qui vous dit, mariage, il commence avec l'État Waldan, et ça, si vous êtes son fils, il donne un certificat pour qu'on ait 1059, telle date, où tu marié, et une chose. Présent, moi, je dis avec lui, mais mon coin qui vous dit désormais, tout le monde dit, qui peut rentrer dans une relation ménage, il veut amener une caméra qui a date l'eau là, tout. Date l'eau là, qui comme si vous t'y portez, pour dire, là, il a, là, mon commence mon relation ménage. Quand est-ce que ça ménage y commence? Ok, l'évidence, on va où de l'évidence, ce n'est pas qui deal, mais seulement l'évidence. Ok, capable de gagner un challenge dans toutes différentes façons. Donc, mon coin qui, toi, bonnes affaires, il besoin de clair. Et ça, point qui m'a dit, faire hier aussi tout, concernant, non, non, bon matin, concernant ménage, ça qui peut donner la force ménage. Faudrait pas qu'il interfère avec mariage. Faudrait à aucun moment ils osent. Et là, je suis d'accord avec Onoa Boao, ça qui peut dire qu'un homme, une femme, tant qu'il est encore marié, faudrait à aucun moment qu'il n'y ait aucun affaire sept ans, il commence à marcher. Si on est marié, ça sept ans, pas capable de marcher le temps. Pas capable de marcher le temps, on est marié. Si on décide pour divorcer, à présent, on décide pour aller en ménage, vous avez fait, avoir compte en dehors au mariage, ou avant de regagner la liberté, ou avant de recommencer. Parce que mon coin, qu'il faudrait nous gagner les clés pour qu'il n'y ait pas aucune confusion, qui nous peut donner ménage plus l'importance qu'il mariage, qui peut dire, les enfants qui naissent en ménage, il y en a plus l'importance qu'ils enfants qui n'est de mariage. Je crois que tout ça, bonne quelque chose, il faut de nous gagner clair. Et dans sa civil code, il faut de tout ça, là, il faut mettre. Parce que, je connais que vous dites, nous tous nous libres pour nous regarder comme il y a été. Et moi, je crois que si nous gagnons tout ça, là, clair, je crois que pour permettre sa révision qu'il nous peut faire, aussi, pas gagner critiquer en relation avec la religion, parce que là pour le moment la religion peut veiller bien ça qui nous peut faire, et faudrait qu'il n'y ait pas aucune confusion. Et parce que moi personnellement, je n'ai pas envie d'une situation côte demain mon gars regarde comment un petit monde qui peut donner l'importance mariage ou bien peut faire mariage égal ménage, parce que dans sa cas nous abolit mariage et nous les choses. Mais non. Exactement. Nous avons des choses polygamie. Nous disons nous sortons l'Afrique. Alors, nous retournons dans l'État africain. Donc, mon quoi, il faudrait nous veiller ça bien. Et l'État nous permet de débat plus loin. Et la moitié va content que l'État peut faire bon l'amendement nécessaire. Qui ça est sorti bien clair, Mr. Speaker. Merci beaucoup. Merci. Honorable Mkalaon. Bon, mon dernier nom, le mot, la liste, peut-être m'a va concerne qui Honorable Henri, Honorable Mkalaon, levé, mais pour passer avec Edu pour clarifier. Est-ce que Honorable Pile ou le ou va mettre pour ensemble après avoir fait s'il ferme? Ok. Ou après un micro, Honorable Pile. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, moi je les ai fait trois points. Premier point, il y en a ça, point qualifying relationship qui nous peut causer de là. Écoute, nous peut mettre égalité avec mariage, avec bonne relation en ménage. Moi quoi, nous besoin sérieusement de bien bonne provision. Mais nous besoin aussi mettre en perspective circonstances côte ça qui nous appelle bonne gold diggers. Il marie avec un dimon, il sa cause bien, pour les cas, il sa bande bien. Ça y a un élément qui existait et nous besoin de mettre ça en perspective à cause. Je connais la loi, pas capable de prévoir pour toute éventualité. Mais seulement, il nous besoin capable aussi de mettre ça en perspective.
This après, Mr. Speaker, il y a un point que l'honorable Warren propose contre nous regard 2591 avec 2593. Je suppose que nous pouvons en discussion Lola un petit peu plus au fond pour nous faire clair que l'intention c'est pas pour donner même l'importance ça des qualités relations, mais qui nous besoin être réaliste et accepter pour dire ça des qualités relations il existait aujourd'hui. Et par la réalité que sa bonne relation existait, il ne pouvait pas dire que mon personnellement, mon condamné, mais personnellement aussi, mon pas qu'à condamner personne qui peut vivre dans sa bonne qualité de relation. À cause, il n'y a pas mon position pour condamner personne. Mon autre dernier point final, Mr. Speaker, et toute sa série d'articles qu'on a pour faire avec 373, 374 et 375. Quand nous avons tout un débat, le parenthood, et mon cher compte, avec clarification, alors, si est-ce qu'il y a une clause qui là et répond à certaines questions qui sont honorables in raise en relation avec un enfant inné et le son certificat, le son acte de naissance, il a besoin d'un an, non un papa. Si ça a l'article qui là, il préserve ça ou bien il fait provision pour qu'il y en ait ça. Et sinon, quoi qu'il nous capable faire pour amendre sa bonne article spécifique là, à cause de moi, pour dire cause de la cour, il y a une direction pour faire un test d'IN, etc. Quoi qu'il nous capable faire pour renforcer sa bonne article pour faire qu'il y a dans six constances, côté parenthood, ses enfants, ou bien son patrimoine, capable de prouver bien, ça nous capable faire lui. But at the same time, il est aussi important qu'il nous mette en perspective, qu'il nous imagine des gens qui ont des relations, qui ont fait des enfants dehors. Mais aussi, il y a des gens qui ont décidé de faire des enfants. C'est ça le dit gens qui ont avec plusieurs partenaires. Et ça, dit gens qui ont des derniers partenaires, ils ont des avec cette situation. So, est-ce qu'il a, nous peut créer des conditions qui sont capables de faire un test qui ont fait pour prouver si X, Y ou bien Z qui ne passe pas ses enfants à cause. Proving papa ses enfants il est important cause il coûte tous l'eau succession et tous l'eau enrichissement que ses enfants ont gagné en travers patrimoine qui probablement ou soit possiblement son parent son papa est capable d'en. Merci honorable Pilé. Pour m'en passer la parole avec Edgy. Bon, vous connaissez ça fait non papa. Il y a un petit peu topical ça, aujourd'hui après-midi. Moi, apprécié, ça va un point. Honorable Henri, nous pouvons dire en Ireland, il y a dans ça. Mais seulement parfois aussi, nous avons besoin d'imaginer, il est capable d'y arriver, même si quelquefois nous ne pouvons pas dans l'intérêt de ses enfants, sa maman lui-même n'a pas envie de disclose, ou il n'a pas envie de sa papa biologique déclare ses enfants. À cause un papa lui capable venir devant l'état civil, les officiers d'état civil, il dit moi envie déclarer ses enfants. Mais les officiers d'état civil il dit que libérer que ça madame Pelé sous déclarer ses enfants. Ouais. Et mais sa papa lui il capable aller côté notaire à n'importe qui moment après ça dans nos codes qui actuel, il capable aller dire que ça au notaire, look ses enfants qu'il a, moi dans son birth certificate, il mon enfant. Et moi, je suis content que mon nom, il m'a mis le son certificat de naissance. Voilà. Et les officiers d'état civil, dans ma jean, ils pour faire sa entry. Voilà. Mais ça, c'est sa maman parlé. Mais, il y a une discussion qui les autres comme législateurs, qui ont pour décider si il est nécessaire qui tous enfants nécessaires, nous avons besoin de faire si qui sa papa il déclare ses enfants. Mais nous n'allons dans sa proposition code civil, nous n'allons un peu plus loin pour nous dire que si dédié mon idée relation, sa partenaire il a présumé papa ses enfants. À moins qu'il amène la preuve contraire pour lui capable Dénal ou bien sa présomption gagne rebut. OK? So, mais par contre, il nous dit qu'il y a un mécanisme
ce mécanisme-là, à n'importe qui moment, ses enfants sont capables d'aller en cours, ou bien son parent est capable d'aller en cours, et dit, mon envie qui, sa papa, qui peut refuser, accepter qui papa ses enfants, il va déclarer papa ses enfants. Mais si sa papa lit, par exemple, il s'en a une impossibilité morale ou bien physique, il n'est pas capable d'aller devant l'officier de l'état civil, il est capable de déclarer ses enfants par un acte notarié aujourd'hui. Ou bien il est capable de donner une procuration, un power of attorney, n'importe qui, pour appuyer devant l'officier de l'état civil pour lui déclarer ses enfants. Mais, par exemple, il reste à une décision si. Nous pour forcer un papa, un prétendu papa biologique, fait un test DNA. Et pareil, honorable Rom Kalawan, il dit, maman tout le temps dit, vous dit, nous c'est celle, nous avons dans le best DNA system in the world, à cause façon que nous multiplier. Et même si les enfants, ils naturel ou bien ils adulte terrain ou whatever. Il ne formait pas la moitié son papa que la moitié son maman. Ou pas beaucoup à dénailler ça. Le côté sa concurrent relationship, ou est-ce qu'il m'apprécie sa, sa bonne point, mais nous aussi besoin d'aller un petit peu plus loin. Il y en a un bon cas, une fois qu'il arrive, moi, dans une situation dans mon practice, quand, il y en a un bon petit monde qui célèbre un mariage. Soit il consomme un mariage, ou bien il y a une situation qui même moi, ça me chie sans vraiment. Il a allé, moi, même nuit même. Et qu'il fait, c'est qu'il sorti, il est allé, or, après un an, deux ans, il y a une séparation de fait, quand il n'est pas allé en cours pour séparer, et il a entré dans l'autre, son mariage, pas jamais 10 jours de lui. Et il a entré dans l'autre relation avec un dimoun, il fait 30 ans avec sa dimoun. Ok? Et là, il fait son famille, il y en a des enfants, il y en a la case, etc., etc. Et il n'y a pas de kidnapping avec son madame mariée. Son madame mariée n'accepte son séparation. Et dans une situation pareille, il n'y a pas de relation au même moment. Il y en a un mariage, mais son mariage, il est séparé de fait. Et il a fait un concubinage stable, si vous pour cette section dans. Stable et continué. Et il pourrait l'injustice peut-être là. Et peut-être ça même, ça y en a en section 3, des 5-9-3, tout son extent. Et ou bien, par exemple, une situation côte pour des 159-3, un dimouni de il pas de mariage, il peut rester camarade, n'a pas 7 ans, mais pendant sa petit moment les temps, il en a par exemple des enfants qui naissent. Propriété qui gagne acheté, business, et on nous prend une situation plus extrême, un de sa conjoint, il se fait une déshabilité. Il n'est pas capable de look after son complico. So, sa section, il a pour, par exemple, si par repugnant to justice, et pour faire la justice. Il bon, ça qui un petit peu d'equitable power, qui est la couille en an, côté. Il n'a pas la loi pour lui capable de statuer loin issue et il servit son pouvoir équitable. Maurice, c'est dans ça qu'il n'est pas capable, il doit être décidé si pour dénier la justice dans le quotidien une provision là, spécifique. So, ça, il y a quelque chose qui aussi nous besoin prendre en compte. Et pour répondre honorable Henri, le côté intellectual property, je crois que ça est obvious parce que il tombe dans succession sa dimoun et là son bon héritier pour bénéficier ou bien au moment qu'ils ont liquide sa succession ou partage sa succession, distribue sa succession. Là, je peux dire que quelqu'un peut inherit sa proprietary rights, sa intellectual proprietary rights. OK. Merci, Edji. Bon, avant de nous terminer pour aujourd'hui, je vais passer la dernière parole avec Honorable George et aussi probablement Professeur Angelo to round up. Maybe just closing remarks.
for today. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Sa de l'article qui devant nous aujourd'hui, notre seule intention, c'est pour mettre en place un mécanisme que, pareil, on dit tout à l'heure, au bout d'un certain quantité d'années, les relations, soit un mariage, soit un ménage, breakdown, même droit, est capable de gagner donner avec bonne partie dans sa mariage. C'est tout qu'il peut essayer de faire. Si nous croyons, pareil, il paraît que certains il pensait que ça peut donner trop droit bon du monde qui en ménage, nous ne pouvons pas abandonner sa proposition. Nous avons besoin sans lit. Et nous avons besoin de retourner la position qui nous était aujourd'hui. Et dire que seule quelque chose qui a du monde en ménage capable de gagner, c'est son argent qui investe dans la propriété, sa relation, il breakdown. Tandis qu'un du monde marié, il a gagné un part dans sa propriété. Ça, c'est la réalité qui est devant nous. Si c'est ça qui nous envie, à cause de croire que sanctité mariage est tellement important qu'il n'est pas capable d'égaliser, ne serait-ce que l'un base propriété qui est en fait en commun, let's be bold and say it. C'est pas ça qui sa proposition qui sortit du comité il peut target. Nous essayons de target une certaine légalité, l'eau, sa petit morceau, la loi, qui en a pour faire avec propriété, les Kingan bâti en commun, les MIAZ breakdown. C'est tout qui nous essayons d'égaliser. Pas ni plus, pas ni moins, n'a pas aucune intention là-dedans pour faire que MIAZ vienne égal à MIAZ. Mais si c'est ça qui nous sentit, qui sont résultats, then nous ne pouvons pas accepter ça, nous avons besoin de be bold. Laisse-moi les autres avec un exemple pour réfléchir Lola tantôt, Lola loi moi y était aujourd'hui. Si des dimonima y est aujourd'hui, et après un an ou deux ans, en sa de dimoni quitte. Je t'en ai propriété. En autre sa de dimoni quitte, il commence un ménage avec un autre madame, disons. Et il restait avec sa autre madame pendant 30 ans. Il n'a pas d'enfant. Nous pas introduit enfant là-dedans. Il marié, il restait avec son madame marié pour 10 ans. Après, il quittait. Il restait avec un autre madame pendant 30 ans. Et il y en a la case qui restait à dedans avec sa l'autre madame, mais ça la case il l'onon sa monsieur. Après 30 ans, il quittait avec sa ménagère. Seule quelque chose qui sa ménagère pour gagner aujourd'hui, c'est l'argent qu'il met dans sa la case. C'est tout. Il n'y a pas pour gagner rien plus que ça. Si sa monsieur présent est mort, c'est sa madame Maillet qui restait avec 10 ans qui pourrait hériter la moitié sa la case qui. Il fait avec son ménager. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Ils ne peuvent pas faire fête, c'est ça qu'ils m'ont dit aux autres. Il y a l'exemple qui est arrivé dans la vie tous les jours. Si nous ne pouvons pas changer, ça qui peut arriver, c'est qu'il y a madame qui peut faire un an, rien, qui n'a 6 ans, mais qui est encore marié, il peut hériter la moitié bien, ça, monsieur. That's the status quo today. OK, that's the status quo today. Alors, On nous pas tailler. Moi, que nous réfléchissons là aujourd'hui. Nous décision est claire, nous. Prends. Moi qui vais donner l'exemple là. Alors, aux autres, mettez l'exemple devant, on va écouter. Ça, c'est mon exemple. À cause ça, l'exemple, il ouvre la table là aujourd'hui. Ça, même ça, mon PC service à l'exemple. OK? Il a ouvert la table aujourd'hui, mon PD avec. OK? Ça, c'est
pas moi disot. Nous ça, il pas clouté avec aucun dimon ça. OK? Nous pas là pour défendre ça envers et contre et tout. C'est quelque chose moi demande autres s'il vous plaît, c'est en nous pas réaser à cause il y en a un constituency là-bas dehors qui peut dire nous pas égalisme ménage avec mariage. Et laisse-moi finir. Pas égalisme ménage avec mariage, OK? Nous pas capables. Il populiste ça, on comprend bien. Nous tout nous connaît ça, OK? Mais en nous mazine sont la réalité qui devant nous. Qui nous pour faire avec ça des monde qui pas marié, qui ne construit un bien ensemble? Est-ce qui nous pour dire li à cause ou en ménage ou peut gagner pini ou pas capable gagner un droit de propriété dans sa bien ou va gagner l'argent? C'est ça qui a qui aux ordres était. Merci honorable George, moi croyais il y a un point pour nous réfléchir là, il y a dans sa boute morale tout Lola, mais nous pas pour réouvrir débat. Réfléchis Lola, c'est un point qui demain matin nous capable relever ça. Mon poudonne, non. C'est ça. Pour vous autres réfléchir. Pour nous finir Lola. Non. C'est ça le bénéfice en a sa discussion qui est ouvert. C'est qui n'a capable de tous ces demain. Let me give the last word to Professor Angelo, and Professor will just be brief. Brief, and we'll close the session and go back to SBC. Professor. Thank you, Chair. Le débat continuera demain. Yes. Certainement. Today we've looked at articles 246 to 259. The code, the law has an integrity. It means there's been much discussion about later articles in respect of parenté and also in respect of property on death. At this end of the table, what we carry forward is the notes about ifs and unlesses, and we will record that for the benefit of the Bills Committee and later the Assembly. We think we now know when shells should be maize and maize shells. Maybe not by tomorrow, but we will propose something for the marginal notes to make the clauses more accessible. And in the light of the discussion, perhaps put forward some suggestions that have come from members which would amount to a narrower definition of en ménage. So that is the stop take at our end. Thank you. Thank you, Professor. And like I said earlier, I've got a copy of the notes that Sarah took, and straight away after we finish here, I'll do my best to circulate to all members. Maybe I'll do it through clerk's office. Okay? Bon, nous arrivons à la fin de la journée aujourd'hui, et nous finissons notre travail là. Nous pourrons reprendre ici demain matin. Nous avons encore des jours quand un expert avec nous. Mais pas quoi nous pour finir ça. C'est sans raison qu'ils m'ont dit nous pas mettre une date pour nous débattre le civil code de la chambre. Nous pour regarder, y compris dans la loi qui est capable de beaucoup d'implications. So, nous pas pour rush, nous pour prendre le temps. Après, là nous connaît pour nous débattre là, y a pas un bon sens, mais un amendement nécessaire pour nous faire. Avec ça, je suis content de remercier encore une fois tout le monde qui est à l'écoute, tout le monde qui a interacté avec les membres. Et en plus, je suis content de remercier SBC. Et nous allons reprendre notre travail demain matin. Merci.